له الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. كنا ذكرنا البارحة ما هو حكم الماء المتنجس أو ما هو الماء المتنجس. Hier on a clôturé la leçon au sujet de l'eau qui est impure. إن كان الماء دون القلتين يتنجس بملاقاة النجاسة. L'eau qui est moins de 2 qulla, moins que 192 litres, devient impure lorsqu'il y a une impureté qui tombe dedans, même s'il n'a pas changé l'eau. ولو لم يتغير الماء الماء يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إن كانت النجاسة غير معفو عنها si c'est une impureté non tolérable. أما مثلا من نحو الحشرات يعفى عنها c'est des insectes qui tombent dans l'eau, ça c'est une impureté tolérable. الماء الكثير وهو 192 لتر وما فوق الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير. La grande quantité comme 192 litres et plus, 1000 litres, 10 000 et plus, il est toujours pur et purificatrice tant qu'il n'a pas subi de changement. S'il y a un changement par l'odeur ou par le goût ou par la couleur, même si c'est un peu de changement, ça devient impur. الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير. الماء الكثير هو الماء الذي بلغ قلتين وما فوق 192 لتر وما فوق يتنجس بالتغير سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو تغيرت أوصافه الثلاثة معا ولو تغيرا قليلا ولو تغيرا قليلا. هلا مسألة c'est une question. إذا وقع في الماء شيء طاهر موافق له في صفاته كماء مستعمل نقدره بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن وهو شيء مثل اللبان. يقول مسألة إذا وقع في الماء شيء يوافق الماء في الصفات كالماء المستعمل في الطهارة وقع في الماء، فقال يقدر كمية الماء الذي وقعت في الماء الطاهر المطهر وقع ماء غير مطهر طاهر غير مطهر كالماء المستعمل نقدره بأوسط الصفات مثل لون العصير طعم الرمان وريح اللاذن. اللاذن شيء يشبه اللبان. لو كانت هذه الكمية رمان هل تغير طعمه؟ لو كانت عصير هل تغير لونه؟ لو كانت لاذن هل تغير ريحه؟ إن كانت تغيره إذن الماء صار إيش؟ لا يصلح للطهارة. إن كانت لا تغيره فهو يصلح للطهارة. Alors si pendant que tu as fait le wudu il y a de l'eau qui est tombée une fois que tu as lavé le visage, il y a de l'eau qui est descendue dans le récipient avec lequel tu prends pour faire le wudu. Au moment que tu laves les mains, le premier lavage, il y a de l'eau qui est tombée dans le récipient. Alors ça, c'est de l'eau pure, mais non purificatrice. C'est de l'eau utilisée du premier lavage. Et il a dit, on va l'estimer avec des caractéristiques moyennes. La couleur du jus asir, c'est-à-dire il a dit comme le raisin, le jus de raisin, est-ce que ça va changer la couleur? Si c'est des grenadines, le jus de grenadine, est-ce que ça va changer le goût? Si c'est quelque chose qui s'appelle al-ladhon, il a dit c'est quelque chose qui a une odeur comme l'encens, qui s'appelle l'uban, dhakar l'uban. Si c'était cette quantité, c'est de l'adhun, est-ce que ça va changer l'odeur? Si c'est le cas, on dit c'est de l'eau pure, mais non purificatrice, parce que la quantité de l'eau utilisée était une quantité importante. Et elle a pu changer si c'était de grenadine ou de raisin, jus de raisin. Ça, elle fait un effet, elle change. Alors c'est pour cela qu'on dit c'est de l'eau pure, non purificatrice. أما لو كان الذي وقع نجس وقعت نجاسة
كبول انقطع ريحه وطعمه واختلط بماء كثير. Alors il a dit, maintenant si il y a de l'impureté qui n'a plus d'odeur, comme l'urine de certains malades, qui ressemble un petit peu à l'eau, qui est tombée dans la grande quantité d'eau. La petite quantité, c'est impur, c'est clair. La grande quantité d'eau. Comment on peut savoir si l'eau a eu changement ou non? Parce qu'on a dit cette impureté, elle a les caractéristiques, elle ressemble à l'eau suite à une chose. Alors il a dit, on va l'estimer avec la plus forte chose dans l'odeur et le goût et la couleur. Il a dit, نقدره بالأشد الذي يخالف الماء وأشد, c'est-à-dire ce qui ne ressemble pas à l'eau et qui est fort. La couleur de l'encre. Si cette quantité c'était de l'encre, est-ce que ça va changer la couleur? وطعم الخل, si c'est de vinaigre, la quantité là d'impureté, si c'était de vinaigre, est-ce qu'elle va changer le goût? هل كان خلا هل يغير الطعم؟ ولو كان مسكا هل يغير الريح؟ Si c'était de musc, est-ce que ça va changer l'odeur? Si c'est le cas, alors on dit l'eau est impure, faut le jeter. Si ça ne change pas, c'est-à-dire c'est une grande quantité, que toute cette quantité ne change pas. Même si c'est de musc, il ne va pas changer l'odeur. Même si c'est de l'encre, il ne va pas changer la couleur. Même si c'est de vinaigre, il ne va pas changer le goût. Alors l'eau est pure et purificatrice. Et donc, si il y a un najas, il y a un kathir, et ce najas, il y a un 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 najas, كالماء المستعمل نقدره بأوسط الصفات اللي هو لون عصير العنب طعم عصير الرمان طعم الرمان وريح اللاذ. إذن القلتان ما قدرها؟ قلنا 192 لتر تقريبا, حفرة طولها وعرضها وعمقها ذراع وربع. Lorsqu'on dit les deux قلة, les deux jars, la grande quantité d'eau, ce qui remplit un trou cubique de un quart, une coudée et un quart. Et à peu près, c'est 192. Moudawara, si c'est un cercle, un trou cylindrique, alors c'est un trou qui est dans le rayon là, c'est zira, et son profondeur, zira anonsf. Hein? Si c'est un cercle, un trou cylindrique, alors le largeur de ce trou, c'est une coudée et la profondeur de deux coudées et demi. Lesh zira ou zira an ou nusf mouchmètre. Ah, le diamètre. Ah, oui, ici le ardois. Le diamètre, c'est une coudée et le profondeur deux coudées et demi. قال رحمه الله ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم بعد دخول الوقت وزوال النجاسة التي لا يعفى عنها. Maintenant, il va aborder le sujet du tayammum. Et quand est-ce qu'on fait le tayammum? Il a dit, soit on n'a pas trouvé de l'eau, soit l'eau est nuisible à la santé. C'est là où on fait tayammum. S'il n'y a pas d'eau, on fait tayammum. Comme Allah Ta'ala a dit, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. On fait le tayammum si on n'a pas trouvé de l'eau. Ou il y en a de l'eau, mais c'est dangereux pour la santé, ça va causer une maladie insupportable, ça peut augmenter sa maladie. يَضُرُّهُ إِسْتَعْمَالُ الْمَا فَإِذَنْ يَتَيَمَّمْ. مَتَّى يَتَيَمَّمْ قَلْ. Il a dit, بَعْدَ دُخُلُ الْوَقْتِ. Il fait le tayammum après l'entrée du temps de la prière. Et encore après le fait d'enlever l'impureté s'il y en a sur le corps. Il faut enlever l'impureté et par la suite faire atem. Al-Sharah, ça c'est le précis, la parole de l'Mukhtasar et le commentaire. Qala Shaykhuna rahimahullah, Al-Sharah anna man faqad al-ma'a bi an faqadahu hissan aw ma'nan yajuzu lahu tayammum. Il a dit, celui qui n'a pas trouvé de l'eau, physiquement il n'y a pas d'eau, ou il y en a physiquement, mais il ne peut pas le prendre. Il y a de l'eau, mais il y a un ennemi.
Il y a de l'eau et les sionistes, ils sont entre toi et l'eau. Si tu vas chercher l'eau, ils vont te tuer parce que c'est des gens qui tuent les êtres humains, qu'ils soient garçons, filles, hommes, grands, voilà, ils tuent. Alors, il y en a, mais tu ne peux pas arriver. Alors, tu peux faire le thème. Actuellement, Am yuhrimu ahl Ghazza min al-ma' wa min al-dawa. Bas ala fikra, qal l'idara l'américaine, ils ont dit. On remercie les gens de Qatar, voilà, pour le geste qu'ils ont fait pour ramener les médicaments à ceux qui ont prisonniers, mais pas pour les 2 millions, pour les une centaine. Allahu Akbar ala al munafiqin. Allahu Akbar ala haoula al munafiqin. C'est des grands hypocrites. الفقد المعنوي كأن تجد الماء ولكن لا يترك الصهيوني مثلا تصل إليه. Il y a de l'eau, mais un sioniste, un criminel, il te laisse pas. Si tu veux chercher l'eau, il te tue. Alors tu fais le thème. أما الفقد الحسي فهو أن لا يجد الماء في القدر الذي يجب الطلب فيه من المساحة. وذلك كأن يكون الماء في مسافة تبعد عن المكان الذي هو فيه فوق حد القرب. Alors, physiquement, il n'y a pas d'eau, c'est comme il sait qu'il n'y a pas de l'eau. L'eau, il est à une distance plus de l'endroit qu'on considère proche. C'est quoi l'endroit qu'on considère proche? Nusuf Farsakh. Farsakh, al-Farsakh, 3 amyal. 3 miles. Wal-mil, le mille pour certains savants, 2000 coudées, pour d'autres 6000. Si tu dis le mille, c'est 6000 coudées, il y en a à peu près la moitié, c'est 9000 coudées. 9000 coudées, c'est à peu près 4 km. L'eau, il se trouve loin, plus que 4 km, à peu près. Alors, il est loin, tu peux faire thème. Tu passes l'eau, il est à telle distance pour le chercher, c'est loin. Alors tu peux faire témoin. Tu es considéré comme s'il n'y a pas d'eau. وحد القرب قدر بنحو نصف فرسخ. هذا نحن عم نقول نصف فرسخ 9000 ذراع تقريبا عند الشافعية 9000 كودي à peu près selon الشافعية. وعلى قول ثلاثة آلاف dans un autre avis le mille deux mille coudées le mille deux mille coudées c'est 3000 coudées c'est quand tu dis 1,5 km. الميل بعد المالكية قال والميل ألفان ولكن أذرعه هيك عند المالكية 3000 coudées. وأما من علم وجوده أي علم بوجود الماء في حد القرب فإنه يعد واجدا للماء لا يصح تيممه. Celui qui sait que l'eau il est dans l'endroit qu'on dit il est proche, يعني on dit moins que 4 km comme on vient de dire, il est entre toi et 1 km, 1,5 km, voilà, يعني dans les 3000 coudées là il y en a de l'eau, il faut le chercher, il n'est pas trop loin. Il faut le chercher, tu peux faire l'eau. وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَتَأَكَّدْ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ أي كان عنده احتمال فقط يمكن يوجد ماء يمكن ما عندي ماني متأكد فيجب الطلب في حد الغوث وهو الطريق المسافة التي يسمع فيه رفقاءه لو استغاث. Dans le cas où je suis en voyage, je suis dans un endroit, je suis pas sûr, est-ce que je trouve de l'eau ou non? Il y a une possibilité que je trouve. Alors là, tu dois chercher dans le limite de secours. Le limite de secours estimé, 300 coudées. C'est-à-dire, si tu vas à 300 coudées et il y a quelque chose qui arrive, tu cries, on peut t'entendre. À peu près 140 mètres. 140 mètres de la distance. Voilà. إذا كنت في مكان يمكن أن تقف على شيء مرتفع على شجرة وتنظر حولك فتنظر. الأرض منبسطة يكفيك. Si tu es dans un endroit plat
et tu vas monter sur une petite colline, sur un arbre, et tu regardes autour de toi, tu vas voir. Alors tu peux voir la distance autour de toi, il n'y a rien, ça suffit. Mais si c'est pas plate, il y a de la montée, il y a une descente, il y a une colline là, il y a des arbres ici, alors là, tu ne peux pas voir. Alors il faut aller dans les quatre directions. Il faut chercher dans les quatre directions. À la limite de secours, c'est-à-dire dans les quatre directions, dans les 300 coudées. قدرت هذه المسافة ب 300 ذراع والذراع مقدار شبرين une coudée c'est équivalent à deux hampons à peu près نحط هيك لشوف هاي دول شبرين voilà عندي أنا الكود أكبر شوي بالشبرين تاعوتي 45 كيلومتر à peu près à peu hein? Ah, j'ai dit à peu près 45 km. Oh là là. Là, peut-être certains anges, ils ont. Non, ça c'est 45 cm. Moins qu'un demi-mètre. فَإِلَّا يَجِدِ الْمَاءَ فَوَفَغْنُ الْمَاءِ وَيَتَوَضَّأَ. S'il n'a pas trouvé l'eau, et là, il n'a pas de l'eau physiquement, il n'y a pas de l'eau, alors il fait le wudu. أَمَّا الْفَقْدُ الْمَعْنَوِيُّ كأن يحول بينه وبين الماء الذي هو بالقرب منه سبع أو صهيوني. Alors, الفقد المعنوي يعني que ça veut dire moralement il n'y a pas l'eau existe il est là mais entre toi et l'eau il y a une bête féroce ou il y a un sioniste qui tue. Tout le monde est témoin qui sont des gens qui aiment tuer. Voilà, si ce n'est pas des gens qui aiment tuer, pourquoi il y a 30 000 morts à Gaza? S'il y a entre toi un lion, un tigre, l'ours, l'ours, l'odorat est très fort. Faut pas monter à l'arbre parce qu'il te suit. Hein. Il faut courir. Et le lion encore, il peut aller vers l'arbre. C'est les hyènes qui n'arrivent pas à monter sur les arbres. Alors, s'il y a entre toi un ennemi ou une bête féroce et tu ne peux pas toucher l'eau, tu ne peux pas le prendre, alors tu peux faire le tayammum. وَأَمَّا مَنْ تَيَمَّمَ بِدُونِ طَلَبٍ فَلَا يَصُحُّ تَيَمُّمُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Si la personne, il a fait le tayammum avant de chercher, il est dans un endroit, il ne sait pas, il y a de l'eau, il n'y a pas, il ne sait pas, alors il a fait le tayammum sans chercher. Le thème n'est pas valable. Parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. Ça se comprend que tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu fais le thème. لَمَّا تَكُونَ بِالْقَافِلَةِ. Si tu es dans la caravane, il n'y a pas d'eau autour de toi. Mais regarde, peut-être certains, il a de l'eau en plus. Tu dis, مَنْ مَعَهُمَا يَجُودُ بِهِ وَلَوْ بِالثَّمَنِ. Qui a de l'eau, qui peut nous donner, même on est prêt à l'acheter. On est prêt à acheter. Alors, par exemple, l'eau, actuellement, elle doit être peut-être la bouteille à 3 francs. On est prêt à acheter la bouteille d'eau à 3 francs. Mais s'il a dit, oui, j'ai de l'eau à 30 francs la bouteille, tu n'es pas obligé parce qu'il a exagéré dans le prix. Il veut te vendre 10 fois plus cher que le prix normal. Ce n'est pas le prix 3 et lui, il veut 3,5 par exemple. Non, tu n'es pas obligé à acheter. إذا أراد أن يبيعك فوق سعر المثل لا يجب عليك أن تشتري يجوز لك التيمم أما يبيعك بسعر المثل بسعر هذا الطبيعي أي بهذا الموضع بهذا المكان إذا أردت أن تشتري c'est le prix normal alors tu achètes si tu as de l'argent bien sûr si tu as de l'argent tu achètes et si tu n'as pas de l'argent j'ai pas de l'argent alors je fais tayammum.
ويجوز لراكب البحر أن يتيمم إذا خاف من الاستيقاع من البحر الغرق ولا إعادة عليه. Celui qui est dans un bateau, mais il y a une tempête, par exemple. S'il monte là-haut pour prendre l'eau, il a peur qu'il les vagues le prennent. Il a peur d'être noyé. Alors, il peut faire le tayammum. Comme dans les bateaux, il y a en bas, n'est-ce pas? Il y a les gens, lorsqu'il y avait des tempêtes, ils descendent en bas, à l'intérieur. Mais pour arriver chercher l'eau là-haut, il a peur d'être pris par la mer. Alors, il peut faire tayammum. Une personne, oui. C'est-à-dire, s'il cherche la terre, il risque d'être tué. Non, s'il le fait justement, si au moment où il fait le tayammum, il est repéré. Supposons, mais il peut prendre, il fait ailleurs, il trouve un endroit où faire, il se protège. Est-ce qu'il y est? C'est ça. Yani, comme on dit, tu ne dois pas être en danger. Pour l'eau en face de l'ennemi, la même chose pour la terre. Tu cherches à ne pas être en danger par l'ennemi. وأما الضرر الذي يبيح التيمم فهو يخاف على نفسه من استعمال الماء أن يضره في جسمه مثلا أو على عضو من أعضائه. Maintenant, l'eau il y en a. Il n'y a pas un ennemi, il n'y a pas une bête féroce, il n'y a pas des tueurs qui aiment tuer les enfants et les femmes, il n'y a pas. Mais l'eau est nuisible pour la santé. Il risque lui-même de mourir par le fait d'utiliser l'eau. Il a peur qu'on lui coupe la main ou le pied parce qu'il a une telle maladie, il ne faut pas qu'on touche l'eau. Alors celui-là, il peut faire tayammum. Alors, طبعاً. إذا كان عنده علة باليد اليسرى فيغسل كل المواضع إلا موضع العلة. Si quelqu'un a un problème par la main gauche, vers les doigts, c'est là où il ne faut pas toucher de l'eau, sinon il risque qu'on les coupe. Mais le reste, il peut laver. Alors, il commence à faire l'eau, à rincer la bouche, le nez, il lave le visage, il lave la main droite. Après, il va arriver vers la main gauche. Il lave tout ce qu'il peut laver. Il lave tout ce qu'il peut laver. L'endroit où il y a les maladies, est-ce que il est couvert ou non? Supposons qu'il est couvert. On lui a mis des tissus, il est couvert. Alors, il passe la main mouillée sur cet endroit. Par la suite, selon l'imam Shafi'i, il faut faire le tayammum. Tu vois, à ce moment-là, il fait le tayammum. Et il complète son wudu après. Il met la tête, les oreilles, les pieds. Et il prie. Et puisque l'endroit où il n'a pas lavé, parce qu'il y a la maladie, c'est un membre parmi les membres de tayammum, c'est-à-dire soit le visage, soit les mains. Le problème, c'est ici. Selon Shafi'i, si l'endroit où tu n'as pas lavé à cause du maladie s'agit du visage ou des mains ou les avant-bras, c'est les membres de tayammum. Alors, tu laves ce que tu as lavé, tu passes la main mouillée sur le pansement, par exemple. Tu fais le tayammum, tu complètes ton wudu et la prière, il faut la refaire. Cette prière, il faut la rattraper. الآن عنده لو كان أنت وضعت هذه الجبيرة على طهارة ما دام الجبيرة على عضو من أعضاء التيمم هذه الصلاة تقضى عند المالكية لا selon المالكية لا تتيمم c'est pas une obligation de faire tayammum si c'est peu c'est pas grande de place tu passes la main mouillée seulement et tu ne rattrapes pas la prière. Alors, il faut respecter certaines choses dans l'école malikite à ce moment-là. Ou كان يخاف مثل ما قلنا على عضو من أعضائه أو طول مرضه. Ou il a peur que si j'utilise l'eau, au lieu d'avoir la guérison une semaine, je vais avoir deux. Pour avoir la guérison, j'aurai deux ou trois semaines à cause de l'eau. Alors, tu peux faire tayammum. كان يخشى طول المرض بسبب استعمال الماء. هذا عذر للتيمم. أو حدوث أثر فاحش في عضو ظاهر كتغير لون أو استحشاف أي يبس في الجلد يعني في عضو ظاهر الذي يظهر عند المهنة أو إلى peur que s'il utilise l'eau ce qui apparaît comme le visage que les mains lorsque tu travailles ces endroits qui apparaissent lorsqu'on travaille il a peur que la peau
devient sec et puis il y a quelque chose de moche qui va apparaître sur sa peau, la couleur va changer. C'est pas un peu de la peau devient un peu rêche. Non, on parle pas de ça, mais une maladie qui va toucher le visage et les mains. Alors, et c'est des endroits, c'est des membres qui sont découverts. C'est pas quelque chose qui est caché comme le ventre et le dos. Alors là, il a le droit encore de faire tayammum. أما مجرد الألم من البرد فليس عذرا إن كان لا لا يعقب مرضا ضررا. Maintenant dire ouais c'est moins 7, fait moins 7. Et dans des pays qui sont pas comme la Suisse, il y a pas toujours de l'eau chaude. Des fois moi une fois pour vous décrire prière de subh déjà pour se lever. Et autour de toi, c'est température moins que zéro. Alors, premièrement, commence pas d'électricité. Il faut marcher comme ça. Alors, premièrement, il n'y a pas quoi ? Électricité. Bon, bref, on a trouvé allumer une bougie. On a allumé la bougie. Deux, on ouvre le robinet. Il n'y a pas de robinet parce que c'est gelé. L'eau est gelée dans les tuyaux. C'est gelé, il n'y a pas. Il faut aller en bois dans le réservoir, en bas de maison, chercher de l'eau. On a été, on a cherché de l'eau. Maintenant, tu veux le chauffer avec le gaz? Oui, tu peux, mais peut-être il n'y a pas assez du temps. Alors tu vas faire le wudu avec l'eau très froid. Et tu fais le wudu et tu pries. Après, tu vas au lit, tu restes une heure, deux heures pour avoir que le pied se chauffe de nouveau. Une heure ou deux heures, même plus. Et il y a des gens qui font la prière de subh presque tous les jours comme ça. L'eau froide, il n'y a pas d'électricité. Et c'est très froid au moment que tu pries. La terre est presque gelée parce qu'il n'y a pas le chauffage, ni l'électricité. Ni... Ils font la prière. Et il y a des gens en Suisse qui font comme ça. Ça allume parce qu'il y a la lumière par le bouton, il y a la lumière par le contrôle. Ça allume. Des fois par le mouvement, comme on est en bas. Tu passes, oh, ça allume par le détecteur. Tu ouvres comme ça, il y a le chaud, comme tu veux. Tiède, un peu chaud, voilà. Tu passes, tu marches, la maison est chauffée. Tu reviens au lit, c'est chaud. Tu sors, c'est très chaud. Et il y a des gens qui ne prient pas avec toutes ces conditions magnifiques. C'est là où tu dis, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Il y a des gens avec des conditions très dures. Ils font la prière de subh et même ils font la prière dans la nuit. Et il y a des gens avec des conditions confortables et ils ne prient pas. Il arrive à rester comme ça dans le lit et il ne se lève pas pour prier. Et il sait qu'il y a un jour dernier. Il y a un jour dernier. Il sait, il croit au jour dernier. Parce que s'il ne croit pas au jour dernier, il n'est pas musulman. Il croit qu'il y a un jour dernier. Et la chose sur laquelle on va être questionné, la première chose, c'est la prière. Parmi l'ibadat, parmi les adorations, la première chose qu'on va être questionné, c'est la prière. Et il reste, il ne prie pas. Mais il peut rester 3 heures, 4 heures sur la télévision. Il peut rester 8 heures, 10 heures par jour pour travailler. Mais pour se lever 5 minutes et prier, non. Avec tous les conforts qu'il peut faire la prière tranquille. Si tu pries, dis Alhamdulillah, alladhi hadani wa waffaqani. Il y a des gens qui prient et leur grand plaisir dans la prière. Comme Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, قال, وَجُعِلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Le meilleur plaisir chez Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wa sallam, a dit, c'était dans la prière. Alors il veillait la moitié de la nuit, le deux tiers de la nuit, le tiers de la nuit, il récitait dans une rak'at, sourate al-Baqarah, ou al-Imran, ou al-Ma'ida, ou al-Nisa, bi rak'a wahida. Il récitait une grande partie du Coran durant la prière, lorsqu'il fait la prière de la nuit. Et il trouve un grand plaisir. Et il y a un saint qui s'appelle Thabit al-Bunani. Il demandait à Allah Ta'ala de lui accorder la prière même après sa mort.
قل إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني ذلك. 40 سنة pendant 40 ans il faisait la prière de l'Isha jusqu'au Subh, de l'Isha jusqu'au Subh, de l'Isha pendant 40 ans. Il demandait à Allah, oh mon Seigneur, donne-moi la prière même après la... Parce qu'il trouvait un grand plaisir dans la prière, comme celui-là trouve le plaisir dans le fait de manger le mouchoui avec un bon dessert, des forêts noires et un bon glace. Il y a des gens qui... Voilà, son plaisir, c'est le fait de manger. C'est le fait de manger, c'est son grand plaisir. Et il est prêt à payer pour ça tant. Mais il ne trouve pas de plaisir dans la prière. Il ne trouve pas de plaisir lorsqu'il donne fi sabilillah. Il ne trouve pas de plaisir lorsqu'il jeûne. Et il y en a d'autres qui trouvent dans la lecture du Coran, dans la donation, dans le jeûne, dans la prière, ils trouvent du plaisir. Il y a un saint qui s'appelait Abu Sulayman al-Darani. Il disait, je mettais la bouchée dans la bouche de mon frère, la nourriture, le pain, la viande, qu'est-ce que tu veux, comme il le met dans sa bouche, il dit, je trouve le goût dans ma gorge, je le mets chez lui, je trouve le goût ici. Trouver de plaisir, c'est comme celui qui a mangé. Comme certains mères, lorsqu'elle donne à manger à son fils, trouve du plaisir que son fils mange. Mais là, c'est pas son fils, c'est les pauvres, c'est les gens, c'est les frères, c'est les amis. Il donne et il trouve du plaisir. Bref, salat al-subh, walau kana al-ma'u baridan, wala yadurruka. Pour la prière de subh, même si l'eau est très froide, et tu ne vas pas mourir si tu vas faire l'eau d'eau, tu vas avoir froid un petit peu. Hein? Tu vas avoir froid un petit peu, alors tu fais l'eau d'eau et tu pries. Tu as une solution, comment se chauffer après? Tu cours. Tu cours. Tu dis à ta mère, tu as besoin que je te porte des choses. Tu dis oui, il y a beaucoup là des choses. Tu vas les porter un peu rapide, tu te chauffes. Je vous cite une histoire. Quelqu'un, dans son voyage, il voyageait seul. Il y avait beaucoup de marchandises avec lui. Tempête de neige. Sur la route, un moine, dans une église là, sur la route, quelque chose comme Yanni. Il lui fait comme ça, viens, viens, la tempête de neige. Il était tout content l'autre. Il me propose de passer la nuit, je peux me chauffer, de manger, de boire quelque chose de chaud, je mange, ok. Alors il a fait, il a mis les affaires, tout ça, il a lavé, tout ça. Maintenant, il a dit, viens, je te montre ta chambre. Alors en prenant vers la chambre, l'autre, il avait un piège. Il le passe à un endroit, comme si c'est du sol, mais ce n'est pas du sol. Et il tombe et il se trouve dehors. Il se trouve dehors, en dehors de cet bâtiment. Et il y a comme une tempête de neige. Ah, il s'est trouvé dehors. C'était quelqu'un de voleur expérimenté qui a cette ruse. Alors, et pendant qu'il est là, l'autre est lancé sur lui des pierres. Il voulait le tuer. Alors il a fui. Il a couru. Maintenant, il faut tout seul dans la nature avec la neige. Et tu sais, les vestes là que vous achetez en Suisse ou les souliers de neige, tout ça, il n'y a pas ça. Comment, il s'est assis un petit peu et ça commence à geler. Non, harab hada tayyib ba'den. Ça yubrod. Qal ja'atni fikra. J'ai eu une idée. Il a trouvé une pierre à peu près 7-8 kilos, quelque chose comme ça, 8 kilos. Il le porte et il court. Il court, il court, il court jusqu'il n'arrive plus. Et il commence à transpirer, il s'assoit, il se repose. Après, le nouveau, le froid, revient. Alors il prend la pierre et il court. L'autre, il ne le voit pas parce que comme tu vois de la neige, et lui, il est loin. Mais il faisait ça durant la nuit jusqu'à avant que le soleil, la lumière... Il s'est venu, il s'est caché quelque part d'une manière qu'il ne le voit pas. Cet homme-là qui est dans cette forteresse-là, il ne va pas le voir. Trabba,
قرب الحائط بحيث لا يستطيع أن يراه. بيعمل بده إياه. Il peut pas le voir parce que il y a quelque chose qui l'empêche. Un endroit, il peut pas le voir. يطلع هيك يطلع وين. Il attend de trouver un cadavre qui est mort du froid. Il regarde à droite, à gauche. Mais il est où celui-là? Alors il est sorti pour trouver le cadavre. Et ce voyageur, ce commerçant était prêt. Et il a sauté au-dessus et il l'a tué. Tu veux me tuer? Moi, alors il l'a tué. Et il rentre là-bas, il trouve que celui-là, il a des places, plein de choses, plein de marchandises. Combien de gens il les a tués par cette manière et il les a volés. Alors, il a pris pendant des mois, il a déplacé les choses chez lui, il y avait beaucoup de choses. On ne sait pas maintenant, il a pris de qui et qui et qui, mais il est resté des mois à transférer. Alors si jamais tu as froid, tu fais quoi? Tu bouges. Si tu es en voyage, 2-3 personnes dans les montagnes, il y a une tempête. Et quelqu'un, il te dit, non, laissez-moi me reposer. Il ne faut pas le laisser se reposer. Tu lui dis, non, tu dois marcher rapidement. Il ne faut pas laisser quelqu'un, il dit, non, moi, je veux me reposer. Me reposer, c'est-à-dire, il a très froid et qu'il va mourir par la suite. Alors, il faut plutôt le frapper, le pousser malgré lui à courir jusqu'à que le sang coule dans les veines et qu'il trouve du chaleur. Pour cela, je vous ai cité cette histoire parce que, oui, j'ai entendu, certains étaient dans la chasse, dans les montagnes, perdrix, des choses comme ça. Il y avait une tempête et quelqu'un, il a dit, non, laissez-moi le. Il voulait, il est mort. Il ne faut pas le laisser. Tu vois, comme quelqu'un qui a mangé quelque chose et empoisonné. Il ne faut pas traîner, il faut faire vite, le ramener là où... Faire évacuer ce qui est à l'intérieur pour que le poison ne prenne pas le corps et qu'il le tue. ولا يصح التيمم للصلاة إلا بعد دخول الوقت ولو تيمم للظهر قبل الزوال لم يصح تيمم. Il faut faire tayammum après l'entrée du temps. Si on a fait le tayammum avant l'entrée du temps de dhuhr. Tu veux faire le dhuhr, tu as fait le tayammum avant, ce n'est pas valable. Il faut attendre l'entrée du temps. Pourquoi? Parce que le tayammum, c'est une purification par nécessité. Quelle nécessité de le faire avant l'entrée du temps? Quelle nécessité? Il n'y a pas. Alors il faut attendre l'entrée du temps et par la suite tu fais le tayammum. كذلك من كان عنده سلس البول من كان سلس البول لا يصح له تقديم الطهارة على الوقت. Celui qui a l'incontinence urinaire ou l'incontinence du gaz, celui-là, il attend l'entrée du temps et par la suite fait le wudu. Il ne fait pas le wudu avant l'entrée du temps. Yastanji, yasud al-makhraj, wa yatawadda. Amma alladhi ya'lam anna hadha al-bawl, celui qui sait que l'incontinence va s'arrêter dans une demi-heure, dans une heure, yani, il attend un petit peu, il n'y aura plus, alors il attend l'arrêt et par la suite il fait l'oudou pour prier. Mais celui qui a l'incontinence tout le temps, alors là, celui-là fait la toilette intime et par la suite il bloque la sortie et il fait le thème. Celui qui trouve un temps, il peut attendre jusqu'à l'arrêt et il aura du temps pour faire la prière après l'arrêt, alors il attend. Mais celui qui n'a pas ce temps-là, parce que c'est toujours, il coule, alors il fait il attend l'entrée du temps de la prière et il fait le wudu et il prie tout de suite. Et il prie tout de suite. ويشترط أن يكون بعد إزالة النجاسة إن كانت ببدنه إنه s'il avait une impureté sur le corps il faut enlever l'impureté avant de faire تيمم قبل أن يتيمم يرفع النجاسة il faut enlever l'impureté avant de faire تيمم لا يصح التيمم مع وجود النجاسة c'est pas valable de faire تيمم tout en ayant l'impureté sur le corps. Mais sur l'habit c'est pas grave, sur l'habit il peut changer l'habit après, mais sur le corps il faut enlever. واحد يقول بس هو بده يزيل النجاسة بس ما عنده ماء.
il a une impureté, mais lui, il n'a pas d'eau. Comment il va enlever l'impureté du corps et lui, il n'a pas d'eau? Alors celui-là, il a le même jugement comme celui qui ne trouve ni l'eau ni la terre. Celui qui a de l'impureté sur lui et qu'il n'y a pas d'eau pour enlever l'impureté, il a le même jugement de celui qui n'a pas les deux moyens pour faire la purification. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de terre. Alors celui-là qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de terre, comment faire? Comme celui, quelqu'un dans la prison. واحد في السجن ولا يريدون يعطونه ماء ولا تراب. Ils ne veulent pas lui donner ni de l'eau, ni de la terre. C'est une prison en métal ou en bois. Il n'y a rien pour faire la purification. Il y a quatre avis. Il y a quatre avis. Le plus dur, il prie et il rattrape. Et le dernier avis, il ne prie pas et il ne rattrape pas. Il reste deux. Il prie et il ne rattrape pas. Et l'autre, il ne prie pas mais il rattrape. Alors, quatre avis. Alors, celui qui a l'impureté sur le corps et il n'a pas l'eau pour enlever, il est dans le même jugement de celui-là. Et il y a un avis faible, qu'il fait le tayammum malgré l'impureté sur lui, il fait le tayammum et il prie. Mashi. Ou fi qawl da'if, anna alladhi ala badani najasa, wa la yujad ma' li raf'i najasa, yatayammam wa yusalli ma'aha, ou qulna, الأقوال الأربعة الأولى له حكم فاقد الطهورين إلى le même jugement de celui qui n'a pas trouvé les deux moyens de faire la purification ni l'eau ni la terre. لذلك ذكر هنا فإن لم يتمكن من إزالة النجاسة بسبب فقد الماء يتيمم ويصلي على حاله ذكر هذا القول. Il a dit ici que s'il n'a pas pu enlever l'impureté parce qu'il n'y a pas d'eau, il fait le tayammum et il prie dans cet état parce que on a dit il y a un avis qui dit ça. أما النجاسة التي يعفى عنها فيصح التيمم مع وجودها كالدم الذي يرى من دملة أو جرح هذا لا يؤثر تيممه وجود مع وجود هذا يصح ولو لم يغسل. Maintenant s'il y a une impureté tolérable comme le pu ou le sang qui sort d'une furoncle, une petite blessure, il y a du sang qui sort. Alors là, c'est une impureté tolérable, tu peux faire le tayammum à la présence de ça. Yani, si on dit dans le corps en général, mais si tu maintenant, s'il y a sur la main ou le visage, tu enlèves la quantité. Tu diminues ce qu'il y a, tu enlèves ce que tu peux enlever. Pourquoi? Pour essuyer la place, pour essuyer avec la terre, avec la poussière, pour essuyer la place. كذلك إذا مشى في طين الشارع المتنجس بلا حذاء ولم يغسل رجله من الماء المتنجس يكفي التيمم. Supposons quelqu'un il marche, il n'a pas des souliers, il marche dans la boue et des fois dans la boue il y a de l'impureté mélangée. Alors il peut faire le tayammum même si ses pieds il a déjà marché dans la boue où il y a une impureté. C'est une impureté tolérable. هل يشترط معرفة القبلة? Est-ce que c'est une condition de savoir la qibla avant de faire le tayammum? Il y a une divergence. القول المعتمد, ce n'est pas une condition de savoir le qibla avant le tayammum. Je peux faire le tayammum, mais après, je peux chercher la qibla. Certains ont dit il faut, mais l'avis le plus fort, que ce n'est pas une condition de savoir le qibla avant le tayammum. Une fois que tu as terminé le tayammum, tu peux chercher par la suite. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala muhkam. Il nous reste demain à dire avec quoi on fait le tayammum. C'est quoi les piliers de tayammum? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le